Nous devons nous poser la question. Cette histoire de Miss là, ce que ça apporte concrètement à la Guinée, elle, je ne parle pas des autres pays. Hein. Les autres pays, bon, ils ont leurs problèmes, ils vont les régler là-bas. Peut-être que ça leur apporte. Notre histoire de Miss Guinée, qu'est-ce que ça apporte? Je vais rappeler l'année dernière un truc qui m'avait interpellé et interpellé beaucoup de monde et choqué beaucoup de monde. C'est quand cette petite, parce que si je dis notre soeur, elle est très très jeune, elle doit avoir peut-être entre 17 et 18 ans aujourd'hui, Mariam Ba, qui avait été retenue pour l'examen du concours de la mémorisation du Coran à Dubaï il y a un an, si je me souviens bien. À la même époque, à la même période, il y a eu affaire de Miss Guinée en Guinée. Ceux qui s'en souviennent, je l'avais invitée ici une fois. Ceux qui s'en souviennent, bon, faut creuser vos têtes, vous allez vous en souvenir. Le côté de cette fille-là est passé presque inaperçu. Presque inaperçu. Moi, je n'ai pas mémorisé le Coran. Hein. Bonjour, ma maman chérie. Je n'ai pas mémorisé le Coran. Hein. Mais ceux qui l'ont fait, je les félicite. Les mémorisateurs et moi, il y a un seul problème. Moi, je ne vais pas mémoriser le Coran, me battre pour une autre cause. Ça, au moins, c'est clair. Ça, c'est sûr. Parce que ça, ce n'est pas une petite affaire. Il faut la foi, la volonté et le temps pour le faire. Donc, quelqu'un qui fait ça, tu laisses ça, tu vas t'accrocher à autre chose. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu vas gagner dans l'autre chose là que tu es en train de faire. Le truc de cette fille-là, cet effort ou ce travail est passé pratiquement inaperçu, non seulement chez les autorités, mais chez nous autres musulmans. Oui, pratiquement inaperçu. Je ne sais pas, celle qui a été Miss Guinée, combien elle a reçu, je ne m'en souviens pas exactement. Mais elles étaient toutes les deux bas. Hein. Saramba, Mariamba. Mariamba, Saramba. Oui, l'une représente l'islam, l'autre représente ce qu'elle représente. Moi, je n'ai pas voulu trop, parce qu'il y a des gens qui m'avaient interpellé. Oui, tata, j'ai dit non, on va l'inviter, on va faire une publication sur notre sœur qui est partie nous représenter à Dubaï. L'autre, là, ils vont se démerder. Moi, ça ne me regarde pas. L'année prochaine, on verra, Inch'Allah. Cette année est arrivée, ils sont en train de se bagarrer. Ceux qui se bagarrent, c'est deux chanteurs. Vous savez, tout ce que moi je vous dis, vous savez que c'est vrai, vous êtes conscient que c'est vrai. Mais quand vous êtes dans l'incapacité de réaliser ce que je fais et d'analyser comme j'analyse, c'est ce qui vous embête et vous dérange. Je vous ai dit que la musique, c'est un facteur de retard. Personne ne va me dire le contraire. Sinon, l'Afrique allait être je ne sais pas où aujourd'hui. Ce n'est pas un débat. Merci beaucoup, maman. Ça, c'est un point. Le deuxième point, les deux là, Johanna Bari et Bill Desam, c'est des chanteurs. Anciens ou nouveaux, c'est des chanteurs. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre, je suppose. Johanna, je ne sais pas si elle s'est convertie, j'en sais rien. Mais Bill de Sam, lui, les musulmans. Ça, je pense que jusqu'à aujourd'hui, les musulmans. Johanna, voilà, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'elle a un côté musulman quand même. Donc, elle, on va laisser ça en stand-by. On va prendre Bill de Sam. On va prendre les candidates, vos soeurs et vos filles, qui vont aller se balader les fesses dehors. Excusez-moi du terme. Qu'est-ce que la communauté musulmane dit face à cela? Parce que, ok, c'est un pays laïque. Hein? Voilà, c'est un pays laïque. En même temps, je rappelle que ceux qui sont au pouvoir, là, on n'aura pas voté pour eux. Hein? Donc, peut-être qu'ils peuvent nous expliquer ce que la laïcité a fait pour qu'eux, ils viennent au pouvoir. Moi, je me dis que leur façon de venir au pouvoir, ça, c'est Allah qui l'a fait. Ce n'est pas des envoyés de Dieu, hein? Mais il leur a donné le pouvoir. Donc, il y a quelqu'un qui a dit Amin à quelque part. Et quand on prend le côté religieux, les religieux vont dire que ah, Allah donne le pouvoir à qui il veut. Mais nous non plus, il ne va pas nous changer, nous le peuple, si on n'est pas prêt à changer. Ça, c'est clair. Maintenant, ceux qui s'occupent, le secrétariat général, par exemple, de la Ligue islamique, on vient de nommer entre 20 et 25 personnes, qu'est-ce qu'ils disent de ce genre de situation? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire face à ce genre de situation? Qu'est-ce que la communauté musulmane dit? Parce que c'est la plus grande communauté. Vous savez, c'est un pays laïque. Il y a des domaines que nous, musulmans, nous devons laisser aux catholiques et aux païens et aux animistes. Parce que nous, ce n'est pas bon pour nous. C'est-à-dire, ça ne nous représente pas. Donc, laissons-le leur domaine là. Mais vous ne voulez pas laisser ça. Tout ce qui est produit éclaircissant, tout ce qui est faux cheveux, laissez les autres vendre ça. Vous qui êtes musulmans, ne vendez pas. Et dites à vos filles de ne pas utiliser.
Walaikum salam, Mustapha, comment tu vas, mon frère? Aidez ta vos filles de ne pas utiliser. C'est pas compliqué. Vous dites vous êtes musulmane, vous n'utilisez pas les produits éclaircissants. Moi, ma fille, non. Et moi aussi, je suis musulmane, je ne vends pas. Nous pouvons faire ça. Si l'État ne peut pas interdire, c'est pourquoi j'ai dit que c'est les deux côtés qu'il faut frapper. Les musulmans peuvent le faire. Mais ceux qui sont en train de se battre pour la place là, à 80% ils sont musulmans. Les candidats de Miss là seront des musulmans. Les jurys seront des musulmans. La majorité de la population elle est musulmane. La majorité des élites c'est des musulmans. Donc je vous dis régulièrement, c'est quoi la responsabilité de cette communauté? Ça c'est un truc que personne ne touche. Et nous avons notre responsabilité. Moi je le dis. Parce que c'est par là que ça va changer, Inch'Allah. Et personne ne me dira que je ne l'ai pas dit. Même si vous êtes 37 ici aujourd'hui ou bien 5, les vidéos sont là, Inch'Allah. Les DS sont là. D'autres personnes sont là. Ils gardent les vidéos. Et il y avait une menteuse là. Ça a coïncidé. Hein? Nous perdons notre temps dans toutes les luttes que nous sommes là. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Un musulman se bat d'abord pour l'islam. Tu as étudié l'islam. Bah. Tu n'as pas étudié. Bah. Ça, c'est un autre problème. Tu te bats pour ton créateur, tu te bats pour Allah. Mais comme la République prime sur la religion, d'accord, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est ce que nous voulons. J'accepte, ok. Mais comme je le dis, les points que je viens de ressortir là, la communauté musulmane peut jouer sur ça. Pour dire que moi, ma fille, Saramba, elle est musulmane. Elle ne va pas aller se promener les fesses dehors dans le monde entier. Ma fille Saramba, non. Ok, si tu veux y aller, les musulmans de Guinée ne vont pas voter pour toi. Non. C'est un pays laïque. Mais nous là, nous, moi qui parle là, moi je suis musulmane. Moi je ne fais pas de sensibilisation pour ça. Je ne fais pas de campagne pour encourager pour ça. J'ai mis SOS ici pour la petite Mariamba. Je vous informe, elle est là à Dubaï maintenant pour ses études. Je ne me rappelle pas de combien d'années qu'elle va faire, 3 ans ou 5 ans, je ne me rappelle pas bien. Mais elle est à Dubaï, mashallah, alhamdoulilah, elle fait ses études là-bas. C'est une bonne chose. Elle a avancé. Saramba, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vos mises que vous avez eues dans ce pays a apporté au pays? Nous allons reculer un peu, nous allons aller chez Hagia Kadiat 7 Conté. Parce que moi, ça dépend des sujets. Le président de l'époque a pris sa part. Depuis qu'il a pris sa part, on a arrêté à faire de Miss Guinée. La dame est devenue musulmane. Ok. Elle se battait pour l'islam. Oui, apparemment. Mais cette dame a ouvert un endroit qui s'appelle Fondis. Chaque chose en son temps. Là où on apprend la coiffure. Là où on coiffait les gens avec les rajouts de cheveux qui sont interdits. Au vu et au su de toute la communauté musulmane. Pendant des années, hein. La plupart des filles ne savent pas que ça, c'est interdit. Celles qui se marient, qui le mettent là, elles ne le savent pas. La plupart, elles ne sont pas au courant. Moi, j'ai découvert ça en France. Donc, la sensibilisation ne passe pas. Si on ne tape pas du poing sur la table, nous n'allons pas sortir de ça. Je le dis régulièrement. L'islam va sauver l'humanité. Mais comment? Expliquez-moi par quel miracle? Tous les jours, ce que Allah fait, ce que Allah n'aime pas, c'est ce que nous faisons. Et c'est nous les musulmans. Quand je dis qu'il y a des musulmans pervers, il y a des gens qui se fâchent. Mais vous allez voir que tout ce qui sera à faire des Miss Guinée là, tous ceux qui vont intervenir, ce n'est pas par rapport à l'islam qu'ils interviennent. C'est par rapport à leurs problèmes politiques ou je ne sais pas quoi. Ça ne sera pas par rapport à la religion. Non. Ils ont leurs problèmes à eux. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on se bat dans du faux. Le faux a du monde. Mais le faux ne gagne pas devant le vrai. Non, ce n'est pas possible. Il faut essayer de sortir de ça. Je parle à la communauté musulmane et ceux qui les représentent. Moi, je suis en France. Quand l'affaire de voile va arriver à un niveau, je vais quitter. Inch'Allah, je vais partir là où je peux vivre tranquillement mon port de voile. Mais je le dis régulièrement, comme ce sont ces femmes dénudées qu'on met en avant, elles se disent que l'islam rétrograde la femme. C'est ce qu'on a mis dans la tête des gens. Moi, j'ai beaucoup de personnes ici qui écrivent en commentaire, oui, quelqu'un qui porte le hijab, quelqu'un qui porte le djilbab ne fait pas ça. Oui, moi, je suis le cobaye. Moi, je vais faire le cobaye.
Je suis en train de faire le cobaye. Je suis le cobaye, oui. Mais dans quelques années, ça va marcher. On ne parlera pas de moi. Hein. Non, on va m'oublier. On va parler des gens qui vont sortir des hadiths, des versets, des sourates. Hein. Ça, c'est clair. Mais Allah, lui, ne m'oubliera pas. Ça, c'est clair. Parce que lui, n'oublie pas. Lui, il sait que certainement, c'est Marie Sissoko qui peut dire ça. Donc, il faut aller le dire. Les autres ne le feront pas. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'on ne peut pas avoir de poste avec ça. Non. Les hommes politiques et les élites te fuient. Ils n'aiment pas le jilbab. Ils n'aiment pas le voile. Ça donne, selon eux, une mauvaise image de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas être associés à l'islam. Donc, par exemple, quand on prend le colonel Mamadi Doumbouya, monsieur qui limoge tout en un clin d'œil à la vitesse de l'éclair, ce genre de problème, le plus simple, c'est de mettre le problème en stand-by. De dire, écoutez, vous savez, quand moi je lui parle de produits éclaircissants et autres, je dis, bonsoir Sissoko, je lui dis qu'il est panafricaniste. Parce que quand on leur associe l'islam, ils n'aiment pas ça. Non. Mais il est panafricaniste et il est noir comme charbon et sa femme, elle est blanche. Donc, quand on parle d'interdiction de produits éclaircissants, il est dans ses droits. Ce n'est pas par rapport à l'islam qu'il va le faire. Hein. C'est par rapport parce qu'il est panafricaniste, la peau noire là. Il doit défendre ça. Donc, ce genre de problème, c'est une occasion de faire plaisir à Allah. Moi, j'ai dit seulement, même si on ne fait pas, j'ai dit, c'est tout. Pour demain, Inch'Allah. Ce genre de situation entre ces deux personnes, toi qui es en transition, déjà tes 24 mois sont kibiti koboto, Allah seul sait comment ça va se terminer. Ça, ce sont des bonnes œuvres que tu fais, peux faire glisser. Tu réfléchis pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, même un mois, tu te dis, oh, écoutez, cette histoire de Miss France pour l'instant, déjà c'est des dépenses inutiles. Mais au fond de toi, tu sais que ça ne va pas faire plaisir à Allah. Ça, c'est au fond de toi. Et ça, moi, j'ai dit ouvertement, même si on me prend pour une folle, moi, je m'en fous. Je l'ai dit. Toi, tu ne peux pas. Tu dis, ok, pour l'instant, Johanna Bariba, Bill de Samba, Paul Ba, Pierre Ba, on attend d'abord. Après la transition, nous allons venir sur ces histoires de Miss-là. Pour l'instant, nous n'avons pas la tête à ça. Parce que toi seul, tu sais, quand il y a eu l'année dernière, ce que ça apporte à ton pouvoir, quoi. Bon, moi, j'ai rien vu, hein. Seulement, vous avez dépensé. C'est tout. Et la plupart de ces filles, quand je parle à la communauté musulmane, la plupart de ces filles, ce n'est pas leurs vrais cheveux. Hein. Ce n'est pas leur vrai teint. Ce n'est pas leurs vrais ongles. Ce n'est pas leurs vrais cils, même si c'est les vrais ongles. Vous connaissez l'affaire, le programme sur les ongles. Donc, tout ce qui est interdit, c'est ce que ces gens-là font. Ce n'est même pas une question de nudité. Voilà. Donc, je reviens, c'est un pays laïque. Moi, je ne suis pas laïque. Je suis musulmane. Point. Je vais vous le dire 50 000 fois. Moi, c'est l'islam qui m'a sauvé. Oui, ça m'a fait survivre. Ça m'a évité. Je ne peux pas vous dire ce que ça m'a évité. Vous voulez que je parle de quoi? Même si je parle de 50 milliards de sujets, je vais toujours tourner autour de ça. Parce que c'est ça la solution. Ça ne vous intéresse pas, mais je vais vous le dire. Parce qu'il y a des gens qui me posent souvent cette question. J'espère que je ne vais pas oublier, Inch'Allah. Je vais terminer l'autre côté. Quand on prend les panafricanistes, c'est pourquoi je dis que nous sommes trop dans du faux. Vous ne verrez jamais ces gens-là parler des produits éclaircissants. Vous ne verrez jamais ces gens-là parler des faux cheveux. Ceux qui écrivent ici quelquefois me critiquent. Oh, tu t'habilles comme un arabe, coco. Oui, mon frère, dites à vos sœurs, celles qui n'aiment pas leur teint, de se couvrir. Celles qui n'aiment pas leurs cheveux, couvrez vos têtes. On ne va pas savoir si c'est crépus, on ne va pas savoir. Pour moi, en bas, là, c'est bouffé bas, c'est mangé bas, c'est jaune bas, c'est noir bas, qui c'est? Personne. Parce que je cache. Peut-être c'est parce que je n'aime pas. Donc quand je réfléchis, je dis, l'islam, on dirait que c'est créé pour l'Africain. Allah savait que c'est nous qui allons nous détester. Ça, c'est une maladie. On ne s'aime pas. Comment on a été fait, on n'aime pas ça. Donc, quand j'entends des gens dire qu'Allah nous aide, il va nous aider sur quel plan? Tout ce qu'il n'aime pas, c'est ce que nous on fait. Vous voulez qu'il nous aide? Moi, tu viens ici, tu m'insultes. Je peux t'aider. Je vais t'aider comment? Je vais t'aider par quel miracle?
Mais je vais te dire de te démerder puisque tu es en train de m'insulter. Donc, moi-même, le travail que j'ai fait, ou l'un d'entre vous qui regardez cette vidéo ou qui allez regarder la vidéo plus tard, vous faites un beau travail en tant qu'être humain. Quelqu'un vient dire que le travail là n'est pas joli. Tu vas aimer. Ton créateur te rend noir. Mais tu n'aimes pas, il faut couvrir. Tes cheveux sont crépus, il faut couvrir. Ça, c'est des choses dont on ne parle pas. Pourquoi? Pourquoi on ne parle pas de ça? On doit en parler. Donc, c'est pourquoi je dis que ce problème-là, chacun doit le faire à son niveau. Vous, moi, chacun de nous. Moi, ma fille, je te conseille. Je vous ai dit, les époux, c'est compliqué. Mais les frères et les papas peuvent le faire. Les filles en Guinée là-bas sortent nues. Ici, dans les vidéos, elles sont nues. Elles sont décapées, elles sont sales, elles sont souillées. Ça, c'est des femmes souillées qui portent malheur. C'est ça la vérité. Vous sortez avec elles, tu es ministre, tu es président, ça porte malheur à ton pouvoir. C'est pas un débat. Ça, c'est terre à terre. Mais de grâce, il faut que nous, de notre côté, quand je vois des gens qui dénoncent à gauche, à droite, tel est satanique, tu critiques Mamadou Doumbouya qui est satanique. Mais tu fais la publicité d'un chanteur. Dis donc. Ou tu partages une fille qui a des faux cheveux. Ou des faux teints. Mais dis donc, attendez. Allah va t'aider dans ta lutte. Mais toi, tu te moques de toi-même. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est du faux. C'est la parole de tété. Donc, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai eu une petite discussion avec ma mère. Elle est là. Elle est en région parisienne. Je suis devenue extrémiste. Voilà, je veux convertir tout le monde. Elle est dans la religion de son papa. Je suis dans la religion de mon papa. Elle me dit, tu es dans la religion de ton père. Je suis dans la religion de mon père. Je n'ai pas l'intention de changer cette religion. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne t'ai pas dit de changer de religion. Les catholiques, moi, qui viennent chez moi en France, ta famille, elle est venue là, je ne leur ai pas dit de prier. S'ils ont envie de manger du porc, ils mangent. Moi, je n'en mange pas. Moi, mes heures de prière, je prie. J'ai envie d'écouter mon Coran, je l'écoute. Ma décoration, je ne vais pas la changer parce que tu es là. Non. Vous avez eu votre mère qui est musulmane. Jusqu'à aujourd'hui, elle a sa religion. Votre papa était catholique. Ça a été comme ça, je vous l'ai expliqué ici. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas devenue ce que je suis devenue parce que mon père, il est musulman. Non. Mon père, il a toujours été musulman. Mais ce n'est pas lui qui m'a dit de porter le voile. Moi, je suis dans ce sens-là aujourd'hui parce que c'est Allah qui m'a sauvée. C'est une reconnaissance pour mon créateur. Ce n'est pas pour mon père, hein. Un petit secret. Un jour, je parlais avec mon père. Il était silencieux. J'étais là, il était en Guinée. Il était très silencieux au téléphone. Je lui parlais de mes projets islamiques. J'ai dit, allô? Il me dit, oui. J'ai dit, mais tu m'écoutes? Il dit, je t'écoute. J'ai dit, tu ne parles pas. Il me dit, oui, parce que tu parles des projets que j'ai fait il y a 30, 35 ans. Mais je n'ai pas réussi. Je ne suis pas arrivée là où tu es arrivée. Moi, je n'ai jamais su ça. Je sais qu'il était très branché sur l'islam à l'époque. Très, très, très d'ailleurs. Et le moment où il a relâché, les enfants sont grands aujourd'hui. Avant, il ne fallait pas porter des pantalons serrés. Aujourd'hui, il ne faut pas aller chez lui. Hein. Je ne dis pas. Mais c'est moi qui ai réalisé son rêve. Voilà. Sans le savoir. Ça, c'est Allah qui fait ça. Et chaque fois que moi, j'ai rendu visite, je lui ai rendu visite pendant mon séjour, je vais vous le dire, aucun de ses autres enfants n'ont prié avec nous. Soit ils ne sont pas là, soit ils sont sortis, soit ils sont en train de dormir. Mais nous, on prie à trois ou à quatre, mon père, moi, et peut-être des visiteurs. C'est incroyable. Avant, moi, je venais là-bas, je ne priais pas. Vous comprenez? Ça, c'est Allah. Merci beaucoup, mon frère. Ça, c'est Allah qui fait ça. Donc, j'ai dit à ma mère, non, moi, je ne suis pas. Toi, tu es toujours catholique, c'est par rapport à ton père. Moi, ce que je suis devenue, ce n'est pas par rapport à mon père. Hein. Je suis reconnaissante parce que tu sais ce qui s'est passé. Et c'est Allah qui m'a levé dedans. Vous m'avez tous abandonné. C'est lui qui m'a levé dedans. Oui, je ne suis pas morte. Je ne suis pas tombée malade. Qu'est-ce que tu veux que je lui donne? Qu'est-ce que je peux lui donner? Quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ce que je peux faire pour lui, c'est ce que je suis en train de faire là. Elle dit, oui, je comprends, je suis très contente pour toi. Tu as énormément changé positivement. Énormément, énormément. Je suis très, très contente et je connais l'importance de ce qui t'arrive. Mais c'est juste pour te dire que moi, je garde ma religion. J'ai dit, mais tu gardes ta religion, il faut la garder. Tous les aliments exposés attirent les mouches, bien sûr, cousin.
nous voyons Madame Joanne Barry, soi-disant, elle a été draguée. Ma chère, j'en ai parlé ici une fois. J'ai dit, j'ai été en Guinée, en France, aux États-Unis, en tant que voilée et pas voilée. Je vous ai dit que ce n'est pas le même regard. Je vous l'ai dit avant son histoire, oui ou non? Ceux qui s'en souviennent, je l'ai dit ici. Ce n'est pas le même regard. Ce n'est pas le même regard. Ce n'est pas la même approche. Je vous dis, partout où tu vas, il y a des gens qui tendent la main par habitude. Mais quand ils voient que, tout de suite, ils ont le réflexe, ils font ça. Excusez-moi, madame ou excusez-moi, ma soeur. Parce que je ne serre pas la main des hommes, c'est tout. Aujourd'hui, je me dis d'ailleurs, pourquoi serrer leurs mains? Il faut avoir une certaine approche, même si ce n'est pas islamique, pour serrer les mains des gens. Et puis avec le problème de corona, moi, maintenant, d'ailleurs, tous les enfants, souvent, ça les amuse. Quand je vais chez Dr Ilias, il a des élèves coraniques et tout. Salut, Ibrahim Diallo. Comment tu vas, mon frère? Ça les amuse parce que quand ils font ça, c'est des enfants de 7 ans, 10, 11 ans, 5 ans qui font ça. Je fais ça. Voilà, ça les fait rire. Donc, ils disent, la dame fait big up. Donc, tout le monde vient. Bon, ça les amuse, quoi. Donc, moi, je n'ai pas été draguée. Non, bon, je n'ai pas été en boîte. À cette affaire-là, il y a des endroits que je n'ai pas côtoyés, que je n'ai pas fréquentés. C'est terminé. Ça, c'est fini. Donc, si notre soeur, il s'est passé ce qui s'est passé dans sa vie, aujourd'hui, elle doit avoir 50 ans ou plus, elle doit se rapprocher de cela parce qu'elle est beaucoup plus âgée que nous autres. Arrive à un moment donné, il faut raccrocher ces choses-là. Mais ces dames-là ne raccrochent pas. Pourquoi? Elles ne quittent pas ce monde. Pourquoi? Parce que c'est ça qui donne la notoriété. C'est ça qui donne le nom. C'est ça qui donne le pouvoir. C'est ça qui donne l'argent. Quelqu'un comme Marie Sissoko, ça fait peur. Ah, quand tu vas lui donner l'argent, elle ne va pas prendre. Si elle prend, elle va faire ci. Ah oui, hein, demain, quand on va aller dans ce sens, elle va tout dénoncer. Oh non, non. Ou bien, elle, c'est son affaire d'islam. Ils n'aiment pas. Donc, tout de suite, il y a des gens qui se disent, ah non, ah, ça va te fermer des portes. Il faut enlever ton voile, ça va te fermer des portes. Qu'est-ce que moi, je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous de vos portes? Je ne veux pas m'énerver. Donc, de grâce, cette communauté, nous allons répondre dans l'histoire. Les Guinéens vont répondre face à l'histoire. On s'en fout. Je parle des musulmans. Ce qui se passe n'est pas normal. Nous n'avons pas un comportement. À un moment donné, il faut arrêter Sidiba. À un moment donné, mon frère, il faut arrêter. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est pas une question de quoi. Non. Chacun à son niveau. Toi, Sidiba, à ton niveau. Moi, à mon niveau. Paul et Pierre, à son niveau. Chacun le fait à son niveau. Ma mère, elle a peur. Son âme se défend. Je vous ai dit une fois, nous sommes en lutte. C'est spirituel. Son âme est en train de se défendre. Moi, je vais ramasser plus de monde. Je veux plus de voilés. Je ne le cache pas. Je le lui ai dit. Moi, mon souhait, mon rêve, c'est que l'humanité soit voilée. Hein. L'humanité soit un djilbab. Je le demande tous les jours à mon créateur. C'est de la folie, mais je le lui demande. Donc, je suis sa fille. Elle ressent des choses, certainement. Elle sent un truc venir. Mais ça m'étonnerait que ça la loupe. Inch'Allah. Ça m'étonnerait que ça la loupe. Maintenant, toutes ces misses qui vont se balader là, les petites filles prennent ces filles comme des exemples. Vous êtes d'accord avec moi? Vos filles, vos petites filles de 5, 7 ans, 10, 12 ans, les prennent comme des exemples. Mais ce n'est pas des exemples. Amin Allah, toi aussi mon frère. C'est-à-dire pour nous, c'est ça le truc, c'est ça le top. Il faut être nu. Il faut avoir des faux cheveux. Il faut avoir des ongles sorcières. Mais c'est-à-dire, vous savez pourquoi ça ne réussit pas au Guinée? C'est pas parce que nos misses ne sont pas belles. Hein? Je vous ai expliqué ce phénomène. C'est pas parce que nos chanteurs ne chantent pas bien. Je vous ai expliqué ce phénomène. C'est parce que Allah les aime. Dans quelques années, l'humanité va changer dans le sens islamique. La Guinée aura ses responsabilités. La Guinée a eu combien de misses? La Guinée a combien de chanteurs qui a eu tel ou tel ou tel? De temps en temps, Satan les dribble. On leur donne un petit disque. Mais nos chanteurs, quand moi j'écoutais, j'étais plus rap. Mais ça, les textes sont plus consistants, sont plus costauds. Je m'en inspirais. Ce que eux, ils chantent en rap là, quand tu écris ça, tu fais un livre avec, ça aura plus d'impact. Quand tu viens ici, tu fais une vidéo, ça aura plus d'impact parce que
tu fais plus responsable. Mais eux déjà, Satan les déscience, il les ridiculise, il les amène du monde et la lutte ne va nulle part. Ça fait combien d'années que ces gens-là chantent pour la paix? Depuis le temps des villes de sable, ils chantent pour la paix. Wallahi Itan, Oumar Tamar. Wallahi, wallahi. Wallahi, wallahi. Mais il faut qu'on se batte. Alors toi, là, tu te bats à ton niveau. Que chacun se batte à son niveau. Parce que ça ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. Regardez le temps de Kadel 7, comment elle a fini. Regardez ce qu'elle a fait. Devant tout le monde. Là où on fait les faux cheveux, faux teint, devant tout le monde. Quelqu'un qui est marié à un président. Non, c'est même pas si c'est interdit. La plupart des gens ne le savent pas. Aujourd'hui, elle est où? Hein? Montrez-moi une seule Miss en Guinée qui a un projet qui a donné. Il n'y en a pas. On dirait même qu'on a levé le cerveau de certaines personnes en Guinée. Ça ne réfléchit même pas correctement. Donc ça, c'est des choses. Si l'État veut trancher, c'est très compliqué. Il y a des problèmes pour te débarrasser, c'est très compliqué. Tu dis, ok, moi je suis en transition. Honnêtement, l'année dernière, on a fait. D'ailleurs, on a beaucoup dépensé dedans. On n'a pas eu de retour ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, moi, je suis dans une position là. C'est Allah seul qui peut m'enlever là. Moi, on m'a dit, Allah seul peut me sauver. Donc, on va laisser l'affaire des Miss là d'abord. On va y réfléchir. Maintenant, le démocrate qui va venir, il va savoir l'impact que ça fait sur le pays. Quelle que soit sa religion. Merci, merci beaucoup. Amina, Amina, Amina. Quand on parle, je vais rapidement rajouter le cas de... Parce qu'il y a des gens qui posent des questions sur ça. Le cas de M. Dadis. Quand on dit que ah, les Guinéens ne veulent pas, les musulmans de Guinée ne veulent pas qu'il y ait un président musulman, un président catholique en Guinée, tata, patati patata, et comme ci et comme ça. Non. C'était quoi le rôle de Toumba spirituellement? C'était de convertir Dadis. Spirituellement, c'était ça son rôle. Mais je vous le dis, nous n'avons pas de bons exemples. C'est ça le problème. Comment tu peux attirer quelqu'un? Quand je dis ici, qui est dans les bars? Qui sont dans les bars? Qui sont dans les boîtes de nuit? C'est pas nous. Ça fait mal. Mais c'est la vérité. C'est qui? C'est pas nous. Qui danse? La majeure partie des chanteurs. C'est qui? C'est pas nous. Mais c'est nous. Les filles débauchées dans les rues, la majeure partie, c'est qui? C'est pas nous. Mais c'est nous. Maintenant, nous allons dire quoi? Nous, les musulmans, nous allons dire quoi à un président qui sera catholique? Nous sommes en majorité musulmane. Si Allah amène un président catholique, c'est pour que cette majorité l'influence. Mais il y a des méthodes pour l'influencer. Wallahi, dans Soko, il faut interdire ce genre de choses. Mais dans Soko, la communauté musulmane est en train d'affaiblir. Mais tu ne les vois pas défendre des causes comme ce que j'ai dit là. Ah, on va prier pour la paix, on va prier pour l'union, on a fait une lecture de Coran pour la stabilité, pour ci, pour ça. Tu ne les entends pas dans ces trucs. Écoutez, président, on vient te voir. Je vous ai dit que Mamadou Doumbouya a besoin des gens de religion là. Je vais venir là-bas, Sidi. Il a besoin de ça, il est lâché de partout. La façon dont l'islam peut profiter de ce régime-là, wallahi, si vous savez utiliser ça, on serait loin aujourd'hui. On serait loin aujourd'hui. Et le démocrate qui va venir, il va se rendre compte de cet impact et il va jouer dessus. L'électorat, c'est les musulmans. Mais regarde le port du voile en Guinée. Mais c'est pire que la France. Ces dames-là sont fortes. Si elles ne sont pas fortes, et on boit l'alcool plus qu'eux. On boit plus qu'eux. Mais dis donc, qu'est-ce que tu vas dire à un catholique? Quel exemple tu lui donnes même? Ah, non, notre religion, c'est interdit de boire l'islam. Tu es sous même, tu dis, c'est interdit de boire l'alcool, tu es sous, dans son bar. Il dit, regardez-moi les gens, regardez-moi les faux gens là, ah, que c'est interdit. Hein? Un long chemin, Fatmata Diallo, ma soeur, c'est l'homme pour nous. C'est pas l'homme pour Allah. On n'a pas la volonté, la sincérité et la certitude dans la foi. Nous ne l'avons pas. Oui, les boîtes de nuit, c'est nous qui fréquentons les boîtes de nuit. Même en France ici, la France qui est France, mon frère, le Ramadan, les boîtes de nuit sentent l'effet. Tellement les musulmans vont en boîte. Les boîtes de nuit sentent l'effet en France.
pendant le mois de carême, pendant le mois de Ramadan. Donc tu te rends compte le poids qu'on a et les bêtises que nous faisons. Allah va t'aider dans ça. Il ne va pas t'aider. Il ne va pas t'aider parce que tu remets en question et tu mets des doutes. C'est ce que je dis régulièrement. Je dis, mais le système mondial est en train de s'écrouler. La crise mondiale, elle s'écroule. C'est les groupes de djinns et de chayatines qui se battent. L'islam, elle est où dans cette lutte-là? Elle n'existe pas. L'islam n'existe pas dans cette lutte mondiale, non. Au contraire, les musulmans prennent l'exemple sur les autres. Au lieu que les autres appellent l'islam au secours, je vais prendre un exemple tout bête. Je ne veux pas faire la vidéo très longue. Un exemple tout bête et tout banal. Un Guinéen, je vais prendre la Guinée, je ne vais pas prendre toute l'Afrique. Un Guinéen qui s'inspire du système français. C'est-à-dire une démocratie avec aucune base religieuse. Il veut faire comme le français. Mais le français a un système qui fatigue le français aujourd'hui. La vie est chère, patati patata, trop de problèmes, vous le savez. Mais c'est l'islam qui va sauver le monde. C'est l'islam qui va sauver l'humanité. Et la communauté musulmane, elle est très costaud et très importante en France. Mais qu'est-ce qu'elle apporte à la France pendant qu'elle est là depuis le temps? Quelle image nous renvoyons? Et comment on peut les convaincre qu'on peut les aider? Comment on peut les convaincre que l'islam peut apporter économiquement, politiquement, socialement? L'islam peut sauver ce système mondial satanique. Comment nous pouvons faire cela? Nos propres pays, quand je prends l'exemple de la Guinée, on va s'arrêter sur la Guinée, qui a la majorité, ce sont des musulmans, ils sont là pour se battre pour une démocratie qui n'a aucune base islamique. Donc tu demandes de l'aide à quelqu'un, et toi tu as la solution de cette personne, mais tu ne te rends pas compte que tu as la solution, parce que tu ne veux pas l'utiliser. C'est tout. Que chaque musulman se comporte en tant que bon musulman. Qu'on essaye. On essaye. Ce n'est pas facile. Certainement. Oui, la peur des parents, il faut que les parents expliquent. C'est pourquoi. C'est pourquoi je vous dis, c'est l'instinct de survie. Moi, mon cas, c'est l'instinct de survie. Ça, c'est un premier point. Maintenant, les filles voilées perverties, leurs dégâts et leurs péchés, c'est pas double D, c'est illimité. Ça sera illimité. Oui. Mais l'avantage est que faut bien comprendre la partie là, mon frère. Une fille qui est couverte attire moins. Je peux te dire ça. Elle attire moins, déjà. Deuxième point, l'attirance que tu as là, sur les hommes, tu les appelles. Tu es dénudé tout et tout. Tu es en train de les appeler inconsciemment. C'est les chayatines qui sont en toi qui les appellent. C'est pas toi. Ça, c'est un autre phénomène. Qui est en train d'appeler ces gens-là. Donc, tu as double dégât. Tu es exposé, tu déranges les autres. Quand tu es couverte, peut-être qu'ils ont leur code, comment ils font pour se draguer entre eux là-bas. J'en sais rien. Ça, c'est un autre problème, ça, c'est un autre dégât. Mais quand je prends celles qui s'éclaircissent la peau, qu'elles se couvrent, mon frère, pour garder leur teint. Qu'elles couvrent leur tête pour éviter les faux cheveux. C'est tout, c'est pas compliqué. Il y aura toujours des pervertis partout. C'est comme quand tu parles de démocratie, mais les gens trichent en Occident. S'ils ne trichaient pas, comment Trump va dire qu'on a triché? J'ai dit aux gens, mais Trump dit qu'on a triché parce que lui-même, il a peut-être triché pour venir au pouvoir. Donc, il sait de quoi il parle. Il faut lire entre les lignes. Donc, cette histoire de couverture, quand tu le fais honnêtement et sincèrement, tu es protégé. Oui, ton âme est protégée. Oui, moi, mon voile, il est sincère. Tu viens dans la rue, tu as l'œuf sur ma tête. Moi, dans mon âme, je suis voilé. Oui, dans mon cœur le plus profond, moi, je suis voilé. Même si tu as... C'est toi qui as levé, c'est pas moi. Donc, les filles qui le portent, leurs parents savent la dangerosité et les conséquences. Quelle que soit leur perversion, elles attirent moins, Sidiba. Elles attirent moins. Souvent, quelquefois, tu es comme si on ne te voit pas. Moi, je ressens ça quelquefois. On dirait qu'il y a un truc sur toi. Bon, je parle de moi. On dirait qu'il y a un truc sur toi. Parce que c'est sincère. Moi, je l'ai mis par instinct de survie.
Voilà. Et c'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a aidé. Donc c'est dans le sens là que je parle aux autres. Maintenant, il y a des gens qui ont reçu cette éducation. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas l'instinct de survie. C'est comme le colonel Mamadi Doumbouya. Il est encerclé aujourd'hui. C'est chaud partout. Démocrate bas, armée bas, petit patata. Moi aussi, je suis là. Les religieux, il y a tout. Il est au milieu. Où passer? Comment faire? S'il appelle Allah aujourd'hui, il va venir. Honnêtement et sincèrement, se dire, je suis encerclé, mais comment je fais pour sortir de ce cercle-là? Comment je fais? Il l'appelle, il viendra. Ça, c'est l'instinct de survie. Ça, quand il fait celui-là, quand il fait ça, et celui que lui, il a trouvé dans la sunna, c'est pas pareil. Lui, il va même exagérer. Il va exagérer la religion. On va dire qu'il exagère. Parce qu'il connaît l'importance de là où on l'a levé. Moi, c'est ça mon cas. Donc, les filles qui sont nées avec le voile, moi, je connais beaucoup d'Éthiopiennes ici. Elles sont en France, elles ont enlevé le voile. Parce que ça les ferme des portes. Mais elles sont nées dans ça. Elles ont évolué dans ça. Peut-être qu'on les a obligées, j'en sais rien. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Vous comprenez? Donc, quand je vois beaucoup de femmes dans certains trucs, leur âme pleure sans arrêt, moi, c'est la solution que j'ai eue. C'est cette solution que je les propose. Quand je vois un homme politique, ça ne va pas. Je dis, il faut appeler Allah. Moi, je l'ai appelé, il est venu. Donc, si on te fatigue beaucoup, appelle-le. Déjà, il y a des choses qu'il n'aime pas. Arrête de faire ça. Ce qu'il n'aime pas déjà là. Essaye. Progressivement, 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 progressivement. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai coupé mes ongles. Hein. Vous regardez les anciennes photos, j'ai mes ongles. J'avais les sourcils, je les rase complètement. Je les ai aujourd'hui. Ça, c'est des choses que je ne peux pas cacher parce qu'ils sont là. Ils sont touffus. Je fais ça au fond de mon cœur et de mon âme. Les gens, ils n'aiment pas. La plupart des gens n'aiment pas. Je m'en fous. Mais je fais ça pour faire plaisir à mon créateur. Pourquoi les autres ne le font pas? Mais si ce sont mes parents qui me le disaient, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui étaient déjà là avant, quand mon père était beaucoup dans l'islam, ça allait être autre chose. Mais le monsieur même dit que lui, il a échoué sa lutte. Quand je vais là-bas, quand je prie, je dis donc, tu me regardes, c'est quoi? J'ai dit, c'est ma robe là que tu as mis. Il dit, non, c'est toi que j'aime. J'aime comment tu es là. Tu as réalisé mon rêve sans te rendre compte. Le monsieur a toujours rêvé. Il a toujours voulu ça. Il a toujours voulu ça. Il veut que ses filles soient sunna. Ses enfants soient sunna. Et c'est moi qui ai la maman qui est catholique. Il dit, tu as vu Allah comment il fait les choses. J'ai dit, oui, c'est comme ça. C'est là où tu n'attends pas qu'il fait. Donc, mon frère, tout ce que moi je veux dire aux gens, c'est comme quand tu dis à quelqu'un que quelqu'un qui porte le voile intégral est perverti. Si, c'est possible, il y en a. Il y en a, évidemment qu'il y en a. Mais pas toutes. Mais déjà, elle est couverte. Les dégâts qu'elle fait là-bas, là, ça, la sentence, elle est pire que celle qui est nue, toute nue dehors. Mais déjà, respectez vos corps. Ça limite les dégâts. En tout cas, ça ne nous apporte rien. Voilà. Et il y a des gens qui ont beaucoup peur de ce côté islamique, mais ils prient 5 fois par jour. Depuis qu'on est dans ça, qu'est-ce que ça donne? C'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? La seule chose que nous n'avons pas essayé, c'est ce que je vous propose là. Chacun à son niveau. Si toi, tu as des femmes, tu as des filles, tu as je ne sais pas quoi, tu leur dis. Il y a des filles qui sont célibataires en Guinée, je ne sais pas ça fait combien d'années. Mais elles ont tout. Et vous regardez comment elles sont habillées. Mais à un moment donné, tu te dis, ah, est-ce que c'est même pas mon style vestimentaire là qui cause problème? Parce que c'est rester dehors, hein, il faut couvrir aussi. Tu ne pries pas. Essaie de prier. La nuit, tu expliques ton problème à ton créateur. Pendant que les autres sont en boîte, toi, tu arrêtes la boîte. Tu viens. La nuit, tu te lèves. Tu lui expliques que Allah, d'habitude, que d'habitude, Allah subhanahu wa ta'ala, je suis en boîte là. Aujourd'hui, je suis là pour toi. J'ai laissé mes copines là-bas. Je veux laisser mes anciennes habitudes là. Aide-moi. J'ai marché dans la boîte, hein. Je n'ai pas trouvé d'homme. Je n'ai pas trouvé de mari. Aide-moi. Amène-moi quelqu'un. Allah va t'amener quelqu'un. Comme vous aimez produit fini là. Pour que tu finisses le produit. Pour que tu te battes avec lui. Pendant 2, 3, 4, 5 ans. Pour qu'il devienne un bon monsieur comme vous aimez là. Mais vous n'aimez pas vous battre pour ça. Il va t'amener. Ah, lui là, il est pauvre. Oh! Celui qui ne peut même pas acheter mon sac là. Non, 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 moi je ne veux pas. Tu as prié pour qu'il t'amène quelqu'un, il t'a amené. Ce que lui pense que c'est bien pour toi. La fois dernière, ma maman me dit,
que Dieu fait ce qui est bien pour nous. Ce n'est pas ce qu'on veut. Que, mais comme nous, on prend ça mal, on pense que ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire. J'ai dit oui, justement. Vous voyez, les religions se rejoignent souvent. Il y a des petits points qui se rejoignent. C'est comme l'éducation. C'est pour nous éduquer. Voilà. C'est pour nous éduquer en quelque sorte. Donc, il faut qu'on comprenne certaines choses. Les panafricanistes, les autres qui se basent et qui se battent pour le truc des ancêtres, je ne sais pas comment on les appelle, qui n'aiment pas du tout l'islam, qui n'aiment pas du tout les religions, qui se disent que l'Afrique a une religion. Ok, tout ça c'est bien, mais mes frères et sœurs, parlez des têtes, que vos sœurs gardent leur tête. Ça c'est une lutte vraiment très très bien, même si elles ne se couvrent pas, qu'elles gardent leur tête. Même si elles ne couvrent pas la tête, qu'elles gardent leur tête. Nous on va terminer le reste. Parce que quand il y a un monsieur qui m'a dit la fois dernière, il a du mal à trouver une prétendante. Il dit, tu sais quoi, pourquoi? Il dit, moi les filles qui mettent les produits là, les faux cheveux là, les faux cils, les faux teintes, tous les nyamiyama là, en faux là, que je n'aime pas, que parce que dans ma tête, tandis que j'ai déjà parlé de ça ici, que parce que dans ma tête, je pense qu'elles sont infidèles. Que quelqu'un qui n'aime pas, comment elle est créée? Comment elle peut aimer son mari? J'ai dit, moi je l'ai déjà dit, quelqu'un qui n'est pas fidèle à ses cheveux et à son teint, comment tu peux être fidèle à un homme? Ça veut dire que tu n'es pas fidèle à ton créateur ou alors à tes parents, puisque c'est eux qui t'ont créé, pour toi c'est eux qui t'ont créé. En tout cas, c'est eux qui t'ont fabriqué. Les parents t'ont fabriqué. Même s'ils ne t'ont pas créé, ils t'ont fabriqué. Si tu n'es pas croyant, ça veut dire que c'est eux tes créateurs. Mais le travail que tes parents ont fait là, c'est le résultat de nous là. Ce que moi, mes parents ont fait, c'est moi le résultat. Maintenant, si je n'aime pas, je ne m'aime pas. Vous voyez ma petite tache là qui est là? Quand je mets le voile, l'autre voile là comme ça, ça descend ici. Ça cache. Ça, c'est les produits éclaircissants. Depuis combien d'années? Vous voyez? Quoi qu'il en soit, ça reste là. Je ne cherche même pas à lever. C'est là comme ça là. Mais le voile le cache. Le voile cache ces imperfections là. Quand ça aussi c'est compliqué, tu caches tout. Même tes mains là, quand c'est noir noir là, tu portes gants. L'islam c'est pour cacher les imperfections. Et tu restes tranquille. Tu fais des invocations. L'homme qui est bon pour toi, Allah va te l'amener. Vous allez vous battre, faire comme ça. Et ceux qui aiment les produits finis là, tu demandes à Allah. L'homme là, je me suis battue avec lui. Je me suis battue pour lui. C'est toi que j'ai prié. Tu as réglé nos problèmes. Fais-moi une faveur. Évite-moi la polygamie. C'est une faveur. Tu es une bonne élément d'Allah. Il va te léviter. Wallah, Inch'Allah, il te lévitera. C'est-à-dire, ils ont mis dans la tête des femmes que l'islam les rétrograde. Et c'est un gros problème. Mais ce que le frère vient de signaler, si on vous oblige à le faire sans que vous ne le sentiez, sans qu'on nous vous dise les points positifs, ça c'est compliqué. Mais le côté instinct de survie, ce n'est pas pour tout le monde. Hein? Non. Des cas comme moi, comme Diams et les autres, vous voyez, ça c'est les âmes. Nous, nous sommes comme les Diams là. C'est les âmes, vous avez compris. Tout le monde a besoin de nos âmes. Donc, imaginez-vous, moi j'étais là avec ma perruque, avec mon maquillage, avec mes ongles, mes seins comme ça. Ah, les dégâts que j'allais faire en Guinée, qui peut réparer ça? Avec mon mental que j'ai là. Mais ça allait être un gros problème. Allah allait perdre un bon élément. Mais bon, aujourd'hui, je fais autre chose. C'est ce que je fais, parce que c'est ce que je pense être juste et équitable. Donc, ces histoires de miss, si l'État ne fait rien, c'est ce que je vous dis, c'est les deux côtés. Si l'État ne fait rien, attrapez vos filles. Parce que ça va changer, Inch'Allah. Ça changera. L'instinct de survie viendra chez certains Guinéens. Nous voyons l'instinct de survie aujourd'hui. Il y a plein de voilés, tous les âges. Je te dis qu'il y a des petites filles qui vont prendre le foulard de leur maman. Si vous êtes dans une famille, vous avez dû remarquer ça. Qui mettent ça à leur manière. C'est l'instinct de survie. Leur âme réclame la survie. Hey, quand l'âme est agonisée, l'âme à chaud, mes chers frères et sœurs, quelle que soit ta religion, qui que tu sois, tout de suite tu vas te rendre compte qu'il y a plus haut, plus fort, plus puissant quelque part. Ça c'est automatique. Automatique, tu vas l'appeler inconsciemment. Non, inconsciemment. Mais tant que Allah ne fait pas un miracle dans ta vie, vous allez rester dans les doutes là, toute votre vie. Soit dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un que toi tu connais.
Moi, les gens qui me connaissent sont, ils sont dépassés. Mais il y a certains parmi eux qui veulent toujours que Allah vienne eux-mêmes les prendre. Elles ont des arguments. Oh, toi aussi, tu étais comme ça. Quand Allah a été prêt, il t'a changé. J'ai dit oui, il m'a changé parce que j'étais prête. Donc, ils ne viennent pas vous changer parce que vous n'êtes pas prête. Vous ne pouvez pas être prête avec ça. Même là, regardez la mentalité là. Regardez une mentalité. Hey, quelqu'un qui a volé 50 fois. Toi, tu as volé 10 fois. Celui qui a volé 50 fois, il a arrêté le vol. Toi, tu dis qu'il faut que tu arrives à 100 fois ou 50 fois pour que toi aussi tu arrêtes. Non, lui, il a arrêté. Toi aussi, tu peux arrêter. Quelqu'un qui buvait des casiers, il peut boire 2, 3 casiers assis. Toi, tu bois un seul casier. Lui, il arrête. Toi aussi, tu dois te dire, lui, il a arrêté. Moi aussi, je peux arrêter. Mais non, il faut que moi aussi, j'arrive à 10. Moi, d'ailleurs, je veux plus. Non. Ça, c'est la mauvaise volonté, la mauvaise foi. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Non, ça ne pourra jamais marcher de cette manière-là. Si nous n'avons pas la volonté de changer individuellement, le changement ne sera pas collectif. Non. Et nous allons nous engloutir. Nous allons nous engloutir, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'insalubrité dont on parle, c'est pareil. Les injures, c'est pareil. Allah n'aime pas les injures et la saleté. Il n'aime pas ça. Eh, non, on insulte des cas. Surtout les mamans et les papas des gens. Quand tu es là-bas pendant la journée, quelquefois, ou la nuit, tu es dans ta maison, quand tu entends l'injure d'un garçon dans le quartier là-bas, tu te dis que non, il n'y a pas possible. Lui, il va te dire que son père et sa mère sont des musulmans. C'est le côté éducation là que je veux que les gens prennent. Le côté éducation, là, le style de vie, le mode de vie et l'état d'esprit. Donc, c'était pour ça. Johanna, si tu portes une robe comme ça, on va te fuir. Hein. Quand c'est sincère, on aura peur de toi. Ah ben, je peux te dire, on te craint. C'est pas la peur, mais on te craint et on te respecte. Johanna, non, c'est pas possible. Quoi? Alors, c'est pas elle. C'est des réactions comme ça que tu vois. Des gens même ont peur de t'approcher. Merci, merci beaucoup. Oui. Tout à fait, mon frère. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'Allah t'assiste, qu'il nous accompagne tous. Donc, c'est un peu ça. Et il faut compter sur lui, il faut compter sur Allah pour gagner. La fois dernière, il y a quelqu'un qui m'expliquait ça, qui me disait, c'est ce qui fatigue tout le monde. On est sur du chiffre. Que l'armée d'Allah, ce n'est pas le chiffre. C'est lui qui te fait gagner. Ça même, ça ne fait pas réfléchir. Regardez les médias sociaux des Africains, la visibilité qu'ils ont et l'impact sur l'Afrique, ce que ça donne. J'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois. J'ai dit, mais qui vous regarde? Qui? Les chiffres-là, qui sont ces gens-là? Le chiffre-là vient d'où? Tu peux parler 10 000 personnes en ligne. Les 10 000 personnes, même voir 1 000 personnes en vrai, vrai problème. Il y a un problème. Donc, il y a quelque chose. Voilà. Et je l'ai dit ici il y a quelque temps. Qu'est-ce que les Africains rapportent à Facebook? Je vous l'ai dit ici. On leur apporte quoi? C'est nos armes qu'ils utilisent. Je vous l'ai dit ici. La démocratie, là, ça utilise notre âme. Comment on utilise l'âme de quelqu'un? La cause pour laquelle tu te bats, ça grandit. Karel Chérif, ma chérie, comment tu vas? Igalo. Ça grandit, ça fait grandir la cause. Moi, ce que je fais là, quand beaucoup de personnes vont adhérer à ça, beaucoup de monde vont adhérer, ça fait grandir cette cause-là. Ça impacte. Mais malheureusement, dans ce genre de situation, je ne pense pas si c'est important. Parce que ça, c'est Allah qui règle ça. Je te dis, même 10, tu ne pourras pas avoir en vrai. En vrai, wallahi mon frère. Donc, l'Africain, moi je dis, pourquoi au stade, on ne se pose même pas ces questions-là? Peut-être c'est moi seul qui pense à ce genre de choses. Vous voyez, donc c'est très très grave. C'est très très grave. On grandit les causes. Par exemple, le rap a ses bases en France. Regardez en ce moment-là, tous les rappeurs qui viennent en Guinée. Il y a l'argent en Guinée. Le Guinéen se pose la question, qu'est-ce que ces gens-là viennent faire en Guinée? Tous ces chanteurs, soi-disant les stars et autres, les gens connus qui viennent en Guinée. Honnêtement, entre nous,
Honnêtement, c'est la capitale la plus attirante qu'on a créée. Sérieusement, ils viennent chercher quoi là? C'est la base d'Iblis. Je vous ai dit ça ici, fatigué. C'est la base d'Iblis. Les âmes des Guinéens sont utilisées, mais je vous dis que quand le Guinéen va se retrouver, l'année à laquelle il va se retrouver, il y a des gens, il y a des gens dans les familles qui ne vont plus se parler. Vous allez voir ça un jour, Inch'Allah. On nous utilise. Moi, si honnêtement je me bats pour l'islam, mon âme va par là-bas, mon âme est là-bas. Si quelqu'un qui chante, il se bat pour Shaitan, peut-être inconsciemment, toi tu l'écoutes régulièrement, tu l'aimes, tu pleures pour lui, mais ton âme va là-bas, ça grandit sa cause. Oui, on se... Non, non, on n'a même pas de lien de parenté, mais on se parle régulièrement. Elle vient même de moi. Je ne sais pas si vous avez entendu le téléphone, j'ai fait ça. C'est elle qui m'a envoyé des messages. Non, non, non. J'ai mon propre oncle qui m'a dit ça. Il dit que la dame et moi, on se ressemble. J'ai dit, on s'entend très bien. On est très, très d'accord. Oui, elle m'envoie tous les jours des messages islamiques, les hadiths, les vidéos. On n'a plus aucun lien de parenté. On s'est connus dans ça d'ailleurs. Par l'intermédiaire d'une de ses sœurs. Donc, on se parle souvent par écrit, par vocal. Bon, quand on a le temps, on peut passer 45 minutes à 1 heure au téléphone, mais le temps, quoi. Le temps, c'est pas évident. Donc, elle se bat à sa manière. Elle est très, très. Et elle fait les études. Elle fait des études, hein. Elle fait des études, oui. Elle a, oui, je crois qu'elle a mémorisé le Coran. En tout cas, elle fait des études. Elle connaît beaucoup de choses. Et c'est de ça, tout le temps. Quand je fais les vidéos, je lui envoie. Elle dit, ma soeur, ils ne comprennent pas. Tu sais, elle a un tempérament très calme. Wallah, ma soeur, qu'Allah nous aide. Wallah, qu'Allah nous aide. Les Guinéens ne comprennent rien. Qu'Allah nous aide. J'ai dit, ah, même s'ils ne comprennent pas, il faut le faire. Il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui comprennent. Et c'est cette volonté-là que Allah va avoir. Il y a des gens comme moi dans l'invisible qui se battent. Il y a des gens. Plus ou mieux que moi, qui sont dans l'anonymat, qu'on ne connaît pas, qui se battent, qui ne s'exposent pas, qui sont là, qui regardent ou qui ne regardent pas, donc qui ont leur âme. Vous savez, former des groupes là, c'est pas se connaître dans la vraie vie. Hein. Un Congolais qui se bat pour ça au Congo, qui n'a jamais regardé ma vidéo, notre âme sera dans le même groupe. Hein. Un Chinois qui se bat pour la même chose en Chine, un Australien et ainsi de suite. C'est comme ça les âmes, ils se connectent. Les âmes sont connectées. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous voir. Hein. Si c'est pour Satan, c'est connecté là-bas. Si c'est pour Allah, c'est connecté là-bas. Et puis voilà. Mais malheureusement, il y a peu d'âmes. Et les grandes et les belles âmes ont été récupérées par Iblis. Les chanteurs, tous ceux qui sont les histoires de Miss et tout. C'est-à-dire, c'est les âmes qui attirent du monde. C'est tout. Saramba, c'est son âme. Elle a une belle âme. Elle peut faire comme ce que je fais, mais elle n'aura pas autant de monde. En tout cas, plus tu es sincère avec Allah, plus tu éloignes. Parce que la majeure partie des gens sont souillés et sales. Donc, ils n'aiment pas. Moi, j'ai des élites, des hommes d'État, des hommes politiques. Ils apprécient mon côté intellectuel, mon sens analytique, et tout, ma façon de voir les choses, ma pertinence, mon intelligence, mais ils n'aiment pas le voile. Ils n'aiment pas le côté islamique. Ils veulent... collaborer avec une Mari Sissoko, mais sans voile. Et Mari Sissoko dit, ça ne sera pas sans le voile. C'est tout. Donc, même s'ils ne le disent pas ouvertement, mais ça les dérange. Ils aiment pas, les gens n'aiment pas le voile. Hein. Ils aiment pas, tu le sens. Tu le sens. Moi, je vois des sœurs qui souffrent. Hein. Qui souffrent. C'est des femmes qu'on doit mettre là-haut, mais on les piétine. Donc, si vous n'avez pas des femmes en face qui ont du rebondant, c'est peu, même ici, hein, même ici, il y a une dame, à un moment donné, j'ai fait un stage quelque part avec des dames. Le patron, il n'avait aucun problème d'ailleurs, mais il y avait des employés, surtout une vieille dame là. Mais bon, vous me connaissez, hein? Je l'ai fatiguée, hein? Je l'ai beaucoup fatiguée. Énormément. Déjà, ma façon de rire, elle n'aimait pas. Elle disait que je provoquais. J'ai dit non, je ne provoque pas. Tu vas pas m'imposer ce que moi je dois faire. Hein? Non, s'il y a des femmes qu'on impose le voile, qu'elles se battent pour retirer leur voile, c'est pas compliqué. C'est plus compliqué d'enlever le voile que de le porter. Hein?
Parce que quand tu n'as pas de voile, personne ne t'emmerde. C'est quand tu le mets qu'on t'emmerde. Oui, mais il y a des pays, il y a tel. Je dis, madame, qui se débrouille, qui se démerde. Moi, j'ai été sauvée par Allah, c'est ma façon de. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est une forme de reconnaissance. J'ai décidé de me battre dans ce sens et je me bats dans ce sens. Et voilà, c'est tout, Inch'Allah, qu'Allah m'aide.